Il nous coule ton putain de projet, Eddie. On n'a rien sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout. Il nous prend pour des cons. Les gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça. Ça se fait à deux. Eddie, c'est du passé. Tu t'en débarrasses. T'as peur, hein? Bien sûr, j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête tout. On vous a jamais demandé ça, putain, jamais! Et enfin, un autre chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitat individuel pour Bobo. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Anaïs reste majorité. Je veux tout ou rien. On va s'en sortir. On va laisser toute cette merde derrière nous. Maintenant, c'est à nous de faire attention, de pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce que tu fous là? On s'était mis d'accord, non? Moi, je voulais vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associé. C'est nous qui cherchent depuis le début. Il nous tire par les couilles. T'as, qu'est-ce que tu fous avec Anaïs, toi? Non, mais dis-nous, t'es quoi? T'es un pervers, ça? T'es de calme. Oui, tu dégages, maintenant. Tu sais quoi d'autre sur nous? Complique pas les choses, s'il te plaît. Ton collègue, t'as peur qu'il parle ou tu veux carrément qu'il se taise? Je sais, c'est mon frère. Tu m'as trahi. Tu vas faire quoi avec cet homme? Je sais des choses. Ça leur fait peur. Je vais pas me laisser faire. Et s'il nous balance, il a plus rien à perdre, s'il raconte. Je suis l'équipe de surveille, qui te contrôle. Vous allez voir, je vais vous soulager. Si je suis pas d'accord avec toi, tu m'envoies Moïse, c'est ça? T'es venu t'incruster là, nous sucer le cerveau comme un putain de virus. Je te jure, je vais tout balancer. On va tous plonger. Il est prêt à tout là. Pas chier, toi, bordel de merde! Je voulais pas, putain, je voulais tout arrêter!